Non, mais moi, je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Renoir pour toi? C'est super simple. Pour moi, un Noir, c'est cheveux crépus, peau ébène, qui a ses ancêtres qui ont vécu l'esclavage. Parce que c'est un crime contre l'humanité qui nous lie. Moi, je suis caribéen, mec. Chez moi, il y a du maître et il y a de l'esclave. Ah oui. Ça veut dire que le métissage, ça n'a pas toujours été qu'une histoire d'amour. J'ai grandi avec des Africains qui m'appelaient Mwaka. Quand je vais en Afrique, on m'appelle Yovo, ce qui veut dire le blanc. En fait, ce n'est pas juste une histoire de couleur, c'est ce que tu représentes aussi, quoi. Les gens s'identifient vachement à toi en tant que noir. Si j'ai bien compris, tu veux que des hommes noirs à ta marche. Exactement. Mais moi, je ne suis pas vraiment Renoir, moi. Non, mais si, toi, ça passe. Et moi, je suis assez noir, je peux venir. Toi, c'est pas possible. C'est un peu compliqué par rapport très compliqué, à... même. C'est un peu compliqué par rapport à ce qu'on veut vendre. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas possible. En fait, pour moi, un vrai Renoir, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a les cheveux crépus, la peau ébène. Et donc, toi, comme tu as des cheveux de blanc, des cheveux lisses, quoi, du coup, c'est pas possible. Mais par contre, si tu avais été noir, crépus et que tu avais défrisé les cheveux. Donc là, si je me refrise les cheveux, si je fais l'inverse, ça marche. Non, à l'inverse, ça ne marche pas. Ça va que dans un sens. Par contre, excuse-moi. Quoi? Un mec qui s'est défrisé les cheveux, il vient pas à la marche. Pourquoi il vient pas à la Parce marche? Parce que ça veut dire qu'il assume pas sa négritude, il vient pas à la marche. Ah, ça non. Faut qu'on soit d'accord. Ah non, c'est une question de look. Tu vas pas dire à Izzy que c'est pas un vrai noir. Là, je vais venir pour la marche. Si ils se pourront entendre un truc comme ça, je vais venir. Si, tu peux venir. Parce qu'à la base, ils étaient crépus. Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. Ils sont pas conseillés. Ça frappé ouais. Non, ils ne vont pas du tout. Nous, c'est mais il n'y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté avec les Indiens. Vous allez niquer votre marche de Renoir. Très bonne idée. Moi, je respecte tout à fait ta carrière. C'est pas parce que tu as été plus souvent remplaçant que titulaire dans ta carrière que tu viens pas. Alors, moi, je m'en ai rien à foutre de ça. Tu as fait des choses, même si au bout d'un moment, tu as beaucoup été sur le banc. Mais c'est pas. Qui veut rien dire en vrai si tu as beaucoup été sur le banc parce que. Parce qu'il est meilleur que lui. Non mais vraiment, ce serait super si tu pouvais parler de ma marche à ton journal, quoi. Bah écoute, JT, pourquoi pas, envoie-moi un mail. Comment tu t'appelles déjà? Jean-Pascal. Ah voilà, Jean-Pascal. Jean-Pascal. Okay. Et en plus, en tant que journaliste noir, t'as dû vivre des trucs tellement atroces, quoi. Journaliste noir. Pourquoi tu m'enfermes dans une case? C'est marrant quand même. Mais je t'enferme pas, la sœur. Pourquoi tu dis ça? Bah si, tu m'enfermes dans la case de journaliste noir, c'est quand même curieux, je trouve. Non mais, déjà, j'emploierais pas le terme « case ». Pour désigner une sœur, et t'es une journaliste noire, non? Donc, voilà. Alors, écoute, je ne suis pas une journaliste noire, je suis journaliste. Je suis journaliste, je sais pas comment te dire ça autrement, je suis journaliste. Mais noire. Ok, écoute, j'ai écrit mon premier article à 13 ans. J'ai des diplômes, j'ai travaillé d'arrache-pied. Je pense pas du tout qu'on m'ait prise parce que je suis noire. On m'a prise parce que j'avais... voilà, parce que j'étais à ma place. Mon identité, elle est plus complexe que ça, tu sais. Hein. Oui, mais... complexe, mais noire, quoi. Mais tu me fais chier, qu'est-ce que tu comprends pas? Je te dis que je ne suis pas journaliste noire, je suis journaliste. Qu'est-ce qui va pas chez toi, en fait? Pourquoi l'information, elle monte pas? Tu comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On m'a prise pour mes compétences. Mes compétences. Mes compétences. T'as parlé de tes cheveux, non? Qu'est-ce que t'as fait encore, toi? Hey, c'est quoi ton projet? T'es venu chier dans la gueule de mes invités ou quoi? Mais sérieux! T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Mais c'est elle! De quoi? J'ai juste dit que c'était une journaliste noire! Tu redis encore journaliste noire! Je te défonce! Arrête de la regarder! Je vais te péter tes grosses dents! Ta grosse bouche là, je vais te la péter! Je vais te péter ta gueule! Désolé, vas-y, on y va!